Bon, on est bien? On est bien. Et du coup, on commence l'ascension d'une nouvelle île. Bah parfait ça. Parfait, salut Jack Space. On est bien. Alors, comment ça se construit? Très bien, donc il y a un niveau là, ensuite on monte. Ok, on est parti. J'aurais bien juste voulu avoir un endroit de sauvegarde parce que si je game over, bah je game over et ce sera la tristesse. Ok, on a un boule de gomme, on continue notre ascension. Toi, tu fermes pas la bouche, tant mieux. Je crois que ceux qui ferment la bouche, ils ont une autre couleur, hein, genre violet ou un peu plus rosé. Comme le matin, la rosée du matin. Mais si c'est juste des... Wow! J'ai vu un Kung-Fu Fish, il m'a guaqué. Hein. Le Kung-Fu Fish, il m'a guaqué. Ok. Nous sommes concentration. Nous restons calmes. Nous sommes concentration. Les gènes de Kung-Fu Panda sont en nous. Quoi? Est-ce que je dis Kung-Fu Panda? D'accord, tu m'as fait peur. Ok. Ouais. Ok, c'est eux qui ferment la bouche. Je l'ai reconnu. Ces tentacules viscéreuses, tout ça, la couleur, c'était mort d'avance. Et pourtant j'ai tenté. Mais c'est pas passé. Et maintenant je suis le regret. Non. Je suis en train de perdre toutes mes vies sur le début. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte quand même. C'est chaud. Sur une phase qui est pas dure en plus. Ok. Ah non, mais les musiques, c'est du cultissime. Une fois que tu les as en tête, en plus, tu les sors plus. Hein, c'est... Franchement, du coup, c'est génial. C'est des musiques. Regarde, 20 ans après, tu t'en souviens. Je dirais pas 20 ans, mais allez, quand j'ai commencé, je devais avoir 4 ans. Je jouais pas réellement à l'époque. Hein. On jouait à ma place, mais c'est des musiques. Même aujourd'hui, tu t'en souviens encore. Allez, 15 ans après, c'est encore marvé dans ta tête. C'est des jeux contre la vie. Pour moi, c'est ça, les vrais jeux. Pour moi, les vrais jeux, c'est ceux que tu peux jouer encore 10 ans après. Je suis où? D'accord, j'ai passé un cap. Je sais pas, je suis où. On m'a remis un kilomètre plus loin, en fait. Oh, du calme avec ton bambou, là. Mais je l'ai pas voulu! As-tu déjà fait ces jeux à 100%? Ouais, à l'époque c'était du 100% de chez 100%. Là on n'ira pas le faire parce que bien sûr il y a beaucoup de rejouabilité dans des niveaux, c'est un peu toujours la même chose. Mais à l'époque, je te dis, tu es marbré sur ce genre d'univers. Elle m'a pris en fourbe parce que genre j'ai attendu même pas une seconde, elle a même pas eu son animation et elle m'a croqué. C'était très le croquage. Du coup je peux même pas la tuer parce que c'est elle qui me sert de plateforme. C'est la moitié. Nya, concentration. Nya, on esquive le Kung-Fu Fish. Nya, et voilà. Et là, on est bien. Mais je l'ai vu. J'étais mon doigt sur le carré, quoi, sur le X. Je voulais lui faire la toupie. Beyblade était en moi, mais malheureusement, j'avais pas l'hyper vitesse. Beyblade, hyper vitesse. Tu m'as fait découvrir Summer Wars, que d'après mes calculs tu as découvert à 13 ans et j'ai beaucoup aimé. Alors je sais pas, non je saurais même pas te dire quand c'est que j'ai découvert, je sais que ça a plusieurs années maintenant. Après je sais pas comment tu as fait pour calculer le fait que j'ai trouvé ça à 13 ans, sûrement à la sortie du film. Mais tu as peut-être raison en fait, je sais pas. C'est bien de revoir les morceaux de l'intro, mais d'où vient la musique? Alors la musique c'est idiot de dire comme ça, mais en fait mon intro je l'ai fait en 5 minutes. Et en fait, la musique, c'est une musique de Nightcore qui s'appelle Hey Devil. Donc, Stal, je veux bien que tu mettes un lien si jamais. T'as déjà mis un lien? Ah, d'accord, j'ai pas vu. Et ouais, non, c'est drôle de dire que l'intro que j'utilise aujourd'hui, qui est devenue pour certains culte, enfin, même moi, je veux dire, quand je l'écoute, ça me fait toujours triper. Et pourtant, ça a été fait en 5 minutes. Et rigoler, mais ce genre d'événement, pourtant, ça. C'est humain, c'est le genre de choses. C'est pas rare de voir justement des choses qui ont été faites justement à la va-vite et qui sont pourtant devenues cultes par la suite. Je l'ai pas vu le Kung-Fu Fish! Le Kung-Fu Fish!
Pourquoi? Pourquoi? J'ai cru que... Non, parce que moi, après avoir dit Kung Fu Fish, je m'attendais quand même à ce que tu fasses un... Everybody body Kung Fu Fighting. Mais je rediffuse. Ah, ça l'énerve. Ferme ta gueule, là. Ouais, mais j'irai me la chercher, parce que sinon, elle va fondre. Voilà. Ok. Je suis concentration, je survie avec le peu de vie que j'ai. Tu penses changer d'intro? Je sais pas, je... Bah, alors, la musique peut-être pas, mais les images... j'aime... Enfin, si tu veux, ça a été monté en 5 minutes. J'aime beaucoup l'intro, je la trouve encore très bien. Mais étant donné que je suis très maniaque, j'aimerais peut-être par la suite une intro qui aille, si je peux, avec l'outro. Je mettrai la Macarena. Voilà, le spécial 20 ans, je mettrai la Macarena. Non, je... Tu vois, j'aimerais bien, mais avec les droits d'auteur pourris de YouTube. Et en plus, il paraît que c'est de pire en pire. Mais nous, j'ai fait le Kung Fu Fish. J'ai sauté au moment... Enfin, je l'ai vu faire un arc de cercle, mais j'ai cru que c'était dans l'angle parfait où il pouvait pas me toucher. Du coup, j'ai perdu ma dernière vie de Kung Fu Fish. Je suis déçu. Là, je suis le regret. Je suis le regret parce qu'à partir de là, on sait pas comment ça va se passer. Ok. Bon, je déclenchais un truc. C'est bien beau de déclencher un truc, mais... On a le temps à chaque... On recommence. On recommence, tant pis. Tant pis. C'est quoi ce jeu? Mais non, mais les gens qui disent c'est quoi ce jeu, vous avez pas le droit, c'est dans le titre en plus. C'est Crash Bandicoot, c'est un culti... Ah non. Ah, ils sont ça. Quand je vous avais dit qu'ils nous remettaient loin... Une fois le game over. Ah mais non, ils m'ont pas fait ça. Ils m'ont pas. Ah, oh, bordel, ils m'ont fait ça. Ah mais non, ils m'ont remis loin comme ça. Ah mais non. Ah, oh, vous êtes des brutes. Ah, oh, mais ça se fait pas. On est reparti. Où c'est qu'on était coincé, donc à savoir le niveau Up the Crook, en espérant que cette fois ça passe bien. On a 10 vies, on est prêt, le niveau il est pas trop difficile. On a les plantes. Ça va le faire. Alors je sais pas ce que ça dit, ça parle de 4 mois. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 4 mois, ou ce qui se passera dans 4 mois. Oh bon, j'ai des Kung Fu Fish. Pour moi tu mérites beaucoup plus d'abo. Bah oui, mais... Je... Ça viendra quand ça viendra. On n'est pas pressé. Nia. Ok. Au rythme de la plante. Au rythme de la nature. Ok. Ça, on est bon. Le singe. Je me méfie du singe. Voilà. Fait égalité. Le singe, il est fourbe parce que tu vois, là, je l'ai tapé. Et vous vous êtes demandé ce qui s'est passé. Bah, en fait, quand tu frappes le singe pendant qu'il roule... Bah il te propulse à l'opposé, et du coup, vu qu'à l'opposé il y a que de l'eau, bah c'est plouf, tout simplement c'est le plouf. Allez, on est bien, on peut le faire, on évite surtout les Kung Fu Fighting, ça va bien se passer. Oh non, oh je l'ai senti d'avance, oh j'ai sauté dans sa gueule, je l'ai pas senti d'avance, c'était pas bon. Que tu fais de très bonnes vidéos, tu me... Mais ça viendra quand ça viendra, les gens. C'est pas un problème. Enfin, ça, c'est ce que j'aurais dit il y a encore quelques mois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au point où on en est, je ne dirais pas non. Ça viendra quand ça viendra. On continue de faire ce qu'on aime, on apprécie faire ce qu'on aime, et un jour, si on est méritant, ça viendra. Voilà. Tu. Olé. Tu. C'est quoi le deuxième jeu de Naughty? Bah, le deuxième jeu de Naughty Dog, c'était Crash Bandicoot 2. Ensuite, il y a eu les Crash Team Racing. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Naughty Dog? Attends, ils ont fait Crash, ils ont fait Uncharted, ils ont fait The Last of Us. Du coup, attends. Curiosité. Qu'est-ce qu'ils ont fait en jeu? Ah oui, c'est vrai, c'est eux qui ont fait les Jak and Daxter. Euh...
Bah, ils ont fait les Jak and Daxter, les Crash Bandicoot, Uncharted. Ils ont fait quelques autres jeux à l'époque, très très vieux. Ah, et c'est eux qui se sont occupés de Ratchet & Clank 3. D'accord, ils ont fait 2-3 autres jeux, mais ça vous parlera pas du tout. Genre en 91, ils ont fait Rings of Power. En 88, ils ont fait Dream Zone. Et en 89, ils ont fait Kill the Thief. Voilà, globalement. Et du coup, par rapport à ça, si on compte pas les deux autres, parce que je sais pas s'ils sont bons, je suis désolé, mais Naughty Dog, ils ont fait un score quasi parfait. Sur 20, pour un contrôle, ces mecs-là, tu leur mets 19. Voilà, c'est les mecs, ils ont tout compris. Les mecs, ils ont rushé l'univers du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est les maîtres. Ok, bien. On a réatteint Léo. D'ailleurs, je suis mort devant la vie. Et en plus, oh non. Oh, t'es en train de me dire que non seulement je suis sûr, j'ai pas récupéré la vie. Enfin, je l'ai pas récupéré. Et en plus. Ah, ils sont pas trop fourbes. Ils m'ont quand même laissé la vie. Je l'ai pas récupéré, mais ils m'ont laissé. Ok. Le Kung Fu Fish. Le Kung Fu Fish, on le passe. Nya. Dégage, Wistiti. Il m'a eu. Il m'a eu. Salopard. Ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. On reste concentration, on reste concentration. Eh, du coup, ça fait combien de temps qu'on est en live, en fait? Presque 2 heures, je crois. Hein. Une première session, c'est pas trop mal. On va continuer encore un peu. Je veux ma vengeance. Je veux ma vengeance. Du coup, s'il y a des personnes qui demandent, parce que je sais qu'il va y en avoir, les quick save, enfin pour bien sauvegarder la zone, je n'en ferai pas tout le temps. Hein. J'en ferai vraiment à des endroits où, au bout d'un moment, ça peut plus, quoi. Genre là, tu vois, je l'ai fait en arrivée d'île, mais par exemple, la prochaine, je la ferai genre dans 3 niveaux, pour pas trop abuser non plus. Là. Et me laisser quand même le mérite d'assurer en vidéo, enfin en live. Ok. Bon, c'était là qu'on est mort. C'est à peu près dans cette zone-là. On se rappelle du Kung Fu Fish, de la plante, de la fourberie, voilà, de la vie, et un deuxième ticket, on apprécie, voilà, parfait, nia, oh je l'ai vu le Kung Fu Fish, il m'a fait peur, il y en a partout des Kung Fu Fish, on a atteint cet endroit, je suis pas sûr, tu pourrais faire les Spyro, Stal, on pourrait faire les Spyro, bah voilà. Ouais, t'inquiète, pas ceux sur PS2. Et moi, je veux faire la version sport. Tu sais, il avait un skate. Mais tu m'as dit ça la même chose la dernière fois et pourtant tu y as joué en plus. Je t'y ai fait jouer. Tu m'as dit ça la même chose la dernière fois. Oui. Et tu m'as dit, ah, c'est ça. Et en fait, tu connaissais, mais pas quand je te dis sport comme ça. Parce que c'est. T'as pas que du sport en fait, mais je te montrerai tout à l'heure. Je te montrerai. Oui, je sais. Non, moi je te parle du vrai jeu Spyro Sport. Je t'y ai fait jouer quand on était encore dans ton appart. Je te montrerai. Sean fait X plus O sur une plateforme. X plus O. Ah, du coup. Ah non, X plus O c'est. Ok. Ah mais ça change rien en fait, parce que moi je faisais croix plus carré, ça change rien. Ubisoft sur 20, j'en connais un qui ponce les lives de Benzaï. Bah moi ça fait des tests sur des cobayes donc je chante mais pas trop, je rappelle la 3e fois cobaye mort et le sang ne nettoie pas. Crash fait un plat. Ça va? Ah, il fait pas de plat moi. Attends. Non mais il fait pas de plat. Donc, je sais pas comment tu la config mais... Ou comment tu le fais... Comment tu le... Mince. Si ça fait la même chose sur PS1 mais... Non, moi, pas du tout. T'as envoyé une musique dans le chat? Stal. Tu es la fourberie. Hein. Oh, j'avais pas vu. Oh là, oh, j'ai pris un gros risque. J'ai pris un gros risque. Mais c'est la fin du niveau. Ah, tu feras quoi comme jeu à l'avenir? Alors déjà, là, ce qu'on a prévu de bientôt, donc moi, c'est... Enfin,
avec Miss, on a les jeux Lego. En jeu de sortie, donc il y a The Final Station, pour ceux qui connaissent, qui est un petit jeu indépendant qui est sorti il y a quelques jours, que je voulais faire, sauf qu'en fait, le patch FR n'est pas encore sorti. Donc j'attends, je crois, le 6. Donc le 6 septembre, je tourne un nouveau LP. Ensuite, il y a Undertale, le patch FR qui est prévu en fin de septembre, que je fais. Dishonored 2, donc j'y arriverai après que j'ai fini Dishonored 1, donc normalement je devrais finir dans les temps. Surtout que l'épisode 10 dure un peu plus d'une heure, donc on a bien progressé. Il n'est pas encore sorti, hein, s'il y a des personnes qui demandent. Et j'ai oublié un autre jeu. Log Horizon. Je ferai peut-être Log Horizon. Après, je pense à FF15, mais FF15... grosse hésitation. Oh mon dieu! Oh c'est un boss. Oh c'est un boss. Reaper Pou. Oh je me rappelle de lui. Oh lui il est la fourberie. Oh, attends, comment je le bats? Comment je le bats? C'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment je le bats. Est-ce que je dois lui sauter sur la tête? Est-ce que je dois lui faire péter une bombe au visage? Non, par contre, lui, il m'a fait perdre un bout de vie. Ouais, attends, mais ça se passe comment? Ça se passe comment? Je dois faire quoi? Je pense qu'il faut que... Oh, je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais, mais ça a pas marché comme convenu. Ça a pas marché comme convenu. Ah, blablabla. C'est ça, l'idée, c'est ça. Attends. On a une double vie, en fait, faut que je saute sur les Big Bang, enfin sur les... Mais je fais pas... me fais pas que des ploufs, s'il te plaît, me fais pas que des ploufs. Il a 3 pauvres points de vie, ça peut se faire, hein. Ah c'est ça, en fait, faut que je les active, il faut que je les fasse péter dans sa zone. Ah, sauf qu'il est fourbe, en fait, parce qu'il va que sur les 6 du bas. Il va pas sur les 3 du haut. Ah mais non. Boule de gomme, il m'a fait, oh mais non, mais sans déconner, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Tu sais ce que je vais regretter? Je vais regretter parce que j'ai pas fait de sauvegarde dans le niveau d'avant et que je vais devoir me le retaper. Attends, Reaper, attends. Tu es la fourberie au maximum. Tu es la fourberie au maximum, tu es fou. Tu es fou, de toute façon, non. Nya 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 nya. Voilà, je me mets en dehors du game. Voilà. On discute même pas tous les deux. Voilà. Je sais pas s'il peut me toucher ici. Il peut pas me toucher ici. Ok. On va farm. Je fais des trucs sales, hein. Ça se fait pas du tout ce que je fais. Non. Non, tu dégages. Non. C'est le GG, improbable, je suis dans les flammes. Et voilà. On est bien. Ah là par contre, tu vois, on va faire une quick save. On va faire une quick save parce que je me sens pas trop de devoir me retaper un boss plus un niveau relou. Voilà. Et donc là, si je fais F1, c'est la joie. Parfait. Bien, on est à Lost City. On va voir si on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. On est toujours en live ou pas? On est toujours en live ou pas? Dites-moi. Parce que là, j'ai eu un coup de pression. Moi, oui. Ok. Non, j'ai eu un coup de pression parce que j'ai... En fait, F1, c'est aussi un raccourci. Je l'ai fait en dehors du jeu. Et c'est un raccourci pour changer de live. Pour Twitch, en fait. Enfin, pour Switch, entre une plateforme et une autre. Ok, pas de problème, on est toujours là. Tu notes combien Ubisoft? Alors, à l'époque, je leur ai mis un bon gros 16. Parce que je mets jamais une note de perfection, à part pour certains studios qui le méritent, tels que Naughty. Aujourd'hui, je lui mettrais plus quelque chose entre 8 et... Non, entre 6 et 10. Je suis désolé, c'est un studio que j'ai adoré quand j'étais plus jeune, mais Ubisoft, aujourd'hui, pour moi, ils se cassent la figure. Mais partout, partout, dans tout ce qu'ils font. Sean, tu connais la Figma de King Kazma? C'est une figurine. J'ai 2 figurines de King Kazma, perso. Mais du coup, vu que je suis pas chez moi, je pourrais pas les montrer. C'est la tristesse. Nya, attends, comment je... Nya. Voilà. Le seul Kazma au monde qui se suicide en allant chercher une vie. Attends. Nya. Attends, il m'a pris la vie. Nya. Voilà. On est bien. Bienvenue à Lost City. Alors ça, tu vois, c'est des décors que j'aime beaucoup. Et là, la 3D sert à quelque chose du coup. Hein? Ce truc ne meurt pas. Ce truc ne voulait pas mourir. Mais j'y crois pas.
Oh, attends. Ok. Je me protège, hein. Je sais pas ce que je fais. Il y avait un coffre là. Oh oui. Oh, c'est le ticket. Ça fait le plaisir. Oh, attends, parce que les chauves-souris, ça sent la... Ça sent pas bon du tout, ça. Non, je pouvais sauter, j'ai pas sauté. Allez, c'est le checkpoint. C'est quoi le dernier niveau, stop? Alors, si tu me parles de Crash Bandicoot, je me rappelle pas du tout. Je pense qu'on affronte Cortex. Ça serait logique, Cortex, l'ennemi de base d'un Bandicoot. Ok. Alors, les cubes transparents comme ça, c'est que ce seront des cubes accessibles par la suite, mais heureusement pour moi, j'ai trop de talent et du coup, j'en ai pas besoin. C'est juste qu'il me semble que c'est progressif en fait. Tu vois, comme un Mario 64, il faut que tu fasses quelque chose, quelque part une action qui va te permettre justement par la suite de déverrouiller des nouvelles zones, des rubis, bah, justement ce qu'on voyait depuis tout à l'heure. Et je me suis tué sur la phase de manière totalement débile en plus. Attends, c'est boing. Attends. Tac. Foutasse-moi la paix. Ok, concentration. Tout ça pour une pomme en plus. Ah, il y avait autre chose qu'une pomme tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe. Il y avait autre chose que la pomme? Je suis pas sûr. J'ai failli me tuer. Ok. Le lézard. Je l'ai vu, le lézard. Lézard, on peut pas le tuer. Le lézard de la fourberie. De toute façon, c'est le live de la fourberie. Ok. Je veux le ticket, c'est pour ça. Voilà. Ticket que j'ai gardé d'ailleurs en plus. Donc, c'est vraiment du foutage de tronche. Ok. Ah, il paraît que maintenant, faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube. C'est vrai qu'on en avait pas parlé, mais et moi je t'aime. T'es sérieux? Non, c'est pas le vrai, j'en suis sûr. Non, c'était sûr. Bisous en tout cas, Mixem, bisous. Le vrai ou le faux, bisous, hein, c'est pas un problème. Non, mais le vrai ou le faux, hein, moi j'aime les deux. J'aime tout le monde! Qu'est-ce qu'il me fait le lézard là? Il s'est levé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait paniquer. Gna, moi je progresse, j'ai pas le time. Là, il se passe des trucs. Attends. D'accord, je peux pas aller par là. Ok, alors attends. Nya. C'est en décalé. Nya. Non, il y a le checkpoint. Le checkpoint, il me regarde. Voilà. Le feu. Bon, visiblement, à part les petites flamèches, le feu, ça me touche pas beaucoup, j'ai vu, mais... Ça fait quoi? Ça active des trucs, c'est bien. C'est bien, je veux savoir ce que ça active. Je pense qu'on le saura pas, à moins de connaître le niveau déjà à l'avance. Tant pis, les plateformes. Oh, le calcul de plateforme. Oh là là, dommage, c'était beau. Je crois qu'il y avait un truc à droite, il m'a semblé voir un passage secret par là-bas. Et justement, on voit des coffres en fond, mais c'est bonus. C'est pas grave, c'est quoi ce machin? Ça fait peur. Ah. Parfait, j'ai eu deux têtes de chauve. Je suis bien niveau vie, je sais pas comment on regarde, tant pis. Tu donnerais à un youtubeur débutant. Eh bien, déjà, faire ce qu'il aime, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins. C'est idiot, hein, mais ça s'industrialise tellement, ça devient tellement médiatique, ça devient tellement la télé YouTube, que c'est triste, en fait, de voir ce que ça devient, de faire ça avec passion. Après, j'allais dire, essayer d'être innovant, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on peut pas. Mais au moins, ne pas essayer de tout imiter, en fait. Si tu veux faire quelque chose, soit tu fais une chose et tu le fais bien, soit tu te diversifies, mais essaye de pas... Je vais pas dire copier, mais ne fais pas du plagiat, ça sert à rien parce que ça marchera pas, tu feras pas des choses que t'aimes. C'est clair que si demain t'as 100 000 abonnés, que les gens commencent à... Ah, t'as apprécié, qu'est-ce qui se passe? Les plateformes m'ont fait peur. Que si demain ça marche, ouais, tu seras content, mais en même temps, tu
t'auras pas réussi avec ce que t'aimes, et au bout d'un moment ça va te lasser, puis ça va lasser les gens, puis en fait t'auras une réussite que pendant un moment, puis un mois plus tard les gens ils t'oublieront, puis ça a pas d'intérêt. Vaut mieux faire quelque chose, tu vois. Regarde, on est quoi, on est presque 20 000 sur la chaîne. Alors, je me prends moi en exemple parce que voilà, je peux me citer que moi sur l'instant, mais je fais ce que j'aime, ça marche plutôt bien quoi. Il y a des gens qui apprécient. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas des milliers non plus comme sur beaucoup de chaînes, mais au moins je fais ce que j'aime. Si demain je décolle grâce à quelque chose, au moins je saurai que c'est grâce à ce que j'aime. Et à ce moment-là, tu vois, je serais fier d'avoir continué dans cette voie. Bref, tout ça pour dire que cette plateforme m'embête beaucoup. Voilà. Et que me revoilà en haut. On va récupérer les trucs qui sont là-haut, même si niveau vie... Voilà, on a déjà eu tout à l'heure. Ah, il faut pas faire le tourbillon là, sur les pommes au cas où certaines personnes l'ont pas vu. Parce que justement, bah, ça nous fait perdre tout ce qu'on avait. Alors attends, comment ça se passe? Nya. Ok, c'est un balancier, il faut juste aller le plus sur le milieu possible. Crash, Minder, Over Mutant, ils sont allés trop loin. Ah bah de toute façon les Crash, pour la petite histoire, de toute façon, et ça se voit clairement, Naughty je crois qu'il est allé jusqu'au 3, enfin c'est eux qui se sont occupés de la licence, attends, je veux pas dire n'importe quoi. Je sais qu'ils ont fait le premier, ils ont fait le deuxième sûr, mais ils sont pas allés beaucoup plus loin en fait, c'est pour ça qu'après c'est devenu n'importe quoi. Ouais c'est ça. Ils ont fait le 1, le 2, le 3, Crash Team Racing, Crash Team Racing 2, et après ils ont passé la main. Et ça se voit clairement. Je suis désolé, mais ça se voit clairement qu'ils ont passé la main. Tu sens plus la magie. Tu sens plus la magie. Ok. Clac, clac, toi, dégage. Là, tu ressembles à rien. Plop, 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 plop. Ok. Ah, mais non! Les chauves-souris, quoi. Ah non, en plus, j'ai pas eu de checkpoint. Ah, oh, ils sont vaches. Ah, oh, ils sont éloignés, checkpoint. C'est plus la difficulté sur la distance, en fait. Pas trop sur le contenu, quoi. Ça va. Mais, oh là là là, ça fait loin. Oh! Elle est relou, cette phase. Il y a beaucoup de flammes. Il y a beaucoup, beaucoup de flammes. Nya. 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 Tant pis. Nya. Toujours un peu peur, d'ailleurs, que les plateformes me poussent, en fait. Genre comme ça. Ah, comme ça, après, t'as... Nya. T'atterris dans les flammes et t'es pas bien. Pourquoi un lapin en image de profil? Bah tout bonnement parce que c'est le personnage King Kazma de mon film d'animation préféré, Summer Wars, pour les personnes qui l'ont pas vu. On récupère les pommes. Les pommes, c'est très très important. En plus, là, on est enfin. On devrait. Ah, dommage. Dommage, j'avais peut-être ce qu'il fallait pour prendre une vie. Nous rappelons, 100 pommes égale une vie. C'est pour ça, c'est la tristesse. On l'a bien fait cette phase. Non. Non, Canayou. Ok. On reste là. Voilà. Il y avait le checkpoint en face. Mais il y avait les chauves-souris, c'était à choisir. Ah mais oui, les chauves-souris, on peut les tuer. Oh, je suis bête. Oh, j'avais oublié que les chauves-souris, on pouvait les tuer. Moi, depuis tout à l'heure, je les esquive. Comme un ninja, comme une petite fouine, comme un petit renard. Mais oui, on peut les tuer en plus. Oh, je suis trop bête. C'est... Qui veut des blagues racistes? Non, 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 banane. S'il te plaît. Sois gentil. En plus, YouTube, ils aiment plus ce genre de choses. Non! No panique, c'est bon. On avait perdu qu'une plateforme. Gage. Bon. C'est pas tout ça. Voilà. Petite vie. Parce que bon, quand même. Cette zone, on commence à bien la connaître. Nya. Nya. Voilà. T'es mignon. Ça marche pas. J'ai essayé de poncer la tournade en fait, mais ça passe pas. Ça passe clairement pas. Donc tu peux pas rusher la zone et te la faire comme tu veux. Ok. Je finis le niveau et puis je pense que le live il s'arrêtera là.
Parce qu'après ça commence à faire beaucoup, puis je commence à avoir mal aux pattes. Je ferai une quick save, et on sera bien. Au moins pour cette première session. J'espère que ça vous plaît au moins. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contents de voir du Crash Bandicoot en ma compagnie. J'espère qu'il y a des personnes qui regardent la rediff du coup. Et s'il y en a, j'espère que vous êtes contents aussi de voir le Kazma sur du classique. On m'avait demandé en plus de refaire des jeux comme ça. Parce que, bah parce que c'était vraiment bon à l'époque. Aujourd'hui encore, il y a du bon jeu. Mais tu vois, pas aussi culte. Tu vois, c'est triste à dire, mais... Malheureusement, la génération d'aujourd'hui fait que, une fois que t'as prononcé un jeu, bah t'y joueras plus. C'est triste. Alors que tu vois, un Crash Bandicoot, ça se trouve, quand je l'aurai en boîte, quand je l'aurai de nouveau en boîte, je le ressortirai dans 10 ans, puis j'y rejouerai. Comment t'es venu l'idée de faire des vidéos? Oh, ce serait trop long à expliquer. Oh oui, le checkpoint. Non, ce serait trop long à expliquer aujourd'hui, mais je te l'expliquerai après si tu veux. En gros, pour résumer, c'est un ancien youtubeur du nom de Hooper qui m'a donné envie. Un ancien hein, qui a quand même 9 ans d'activité en tant que vidéaste, en tant que youtubeur, mais... Attends, un pattern ce truc. Wouh, des limites. Yay. Hiya. Voilà. Yay. Yay. Oh mais non, mais attends, mais comment je fais? Je peux lui sauter? On peut lui sauter sur la brioche. Ok. Oui, ticket bonus. Stan, il y a un message pour toi. Oh oui. Non. La profondeur. Oh non, c'est vache. Oh non, c'est vache, j'ai pas fait exprès. Mini, c'est la paix. Ah oui. Ça va, ça va. Je le vis bien. Je le vis pas bien. Je le vis pas bien. Elles sont sympas quand même, ils m'ont remis le niveau bonus. Je sais pas pourquoi je fais un petit mouvement de jambe en plus. Ridicule. Bordel, il va être trop dur cette phase. Ah mais attends, mais cette phase... On peut pas courir dans Crash, hein. Vitesse maximum là les gens. Attends. Concentration, j'y perds toutes mes vies. Je fais plus attention à ce que je fais. Ok. On se calme. On a passé la phase, on est bien. Oh la saloperie, on peut pas l'avoir quand il est de dos. Mais j'y crois pas. On peut l'avoir qu'en sautant en fait lui. Il a pas sauté. Crash, tu me fais quoi? Non, crash, s'il te plaît, crash. Non, crash. Si je meurs sur ça, on arrête là. Si je meurs sur ça, on arrête là, c'est pas un problème. Ça va, en plus comme niveau, il y a pire. Non. Il y a pire, en même temps, il y a mieux. Voilà, l'univers de Crash. Et à l'époque, avec ça, tu faisais plaisir à tout le monde. Attends, on va attendre qu'ils reviennent. Oui, oui, on l'a eu. On l'a déglingué. Allez, reviens, je te déglingue. Tristesse. Oh, c'est la fin. Oh, on est bien. J'ai plus de vie, les gens. Plus du tout. Là, je vais me faire une quick save, par protection, mais la prochaine fois, ça va être compliqué. Je pense qu'on va plutôt revenir en arrière et que je farmerai. Bon, bah c'est la fin.
c'est la fin de ce live. Merci à toutes les personnes qui sont passées, c'est cool parce qu'il y avait du monde. Merci à Stal du coup pour la modération, merci à Mémoi qui est arrivé un petit peu par la suite. Merci à toutes les personnes qui étaient là, on va pas citer tout le monde parce que de toute manière, même s'il y en a qui parlent, il n'y a pas tout le monde qui est actif. J'ai mal aux jambes, on fait de très très bisous, c'est la première fin de la première session de Crash Bandicoot 1. On a bien avancé, je sais pas il y a combien de dix, je me rappelle pas. La prochaine session, on j'ai loqué. La prochaine session sera, quand on pourra, avant minimum dimanche. De gros bisous, bonne nuit, j'allais dire bon cours à ceux qui vont en cours demain, mais non, bon week-end à tout le monde. C'était Sean Kazma et... Stal ! À vous les studios, ciao.